Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Vendredi, c'est le festival des Tours de Babel en Isère jusqu'au 7 avril. Un festival qui témoigne d'une dynamique musicale libre et sans frontières. C'est 3 semaines de rencontres artistiques, de croisements et d'hybridations assumées qui mettent en scène, en regard, les musiques et cultures d'ici et d'ailleurs. De l'Europe à l'Afrique, du Moyen-Orient à l'Asie. C'est mon cœur qui se... La chanteuse et guitariste Marianne Girard est au Belvédère d'Uriage vendredi à 20h30. Elle puise son inspiration dans la folk, la pop, le swing et le rock. Elle se dévoile dans un répertoire personnel, intime et populaire. L'amour au féminin, tel est son univers, avec des mélodies qui révèlent des textes accrocheurs et sincères, qui parlent d'amour, de maternité et du temps qui passe. La pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Variation énigmatique, est à voir à Saint-Imier vendredi. C'est un texte palpitant avec des retournements de situations auxquelles le public ne s'attend pas. Un texte qui provoque la réflexion dans le monde d'aujourd'hui servi par 2 comédiens. Laurent Courtois et Lucas Muller sont au Fontanil le vendredi. Laurent, lui, est un amoureux de la musique de Django Reinhardt et de swing. Lucas, lui, est un jeune guitariste lyonnais, plutôt jazz manouche. Un duo virtuose et swingant à voir à l'Atrium. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.